c'est validé, c'est validé. Allez bongo, c'est validé, c'est validé. Allez bongo, c'est validé, c'est validé. Allez bongo, n'est pas. Maintenant, ton investiture à la présidence du Gabon. 6 ans maintenant, dans ce beau pays et ses côtés mauvais et bons. Enclencher un changement de mentalité, partir de l'attentiste aux jeunes impliqués. Malgré les obstacles, malgré les lourdeurs, persévère dans cette vision. Si aujourd'hui, il y a la bourse pour tous. Si aujourd'hui, il y a la CNAM pour tous. La rénovation. Il y a un pays qui a vécu un drame il y a quelques jours, la France. 129 morts, 353 blessés. Et parmi les morts, j'avais trois amis. Trois amis qui ont fait la fac avec moi. Et je souhaiterais vraiment, en mémoire à ces personnes, à toutes ces victimes, que nous puissions nous lever pour observer une minute de silence, s'il vous plaît. Les jeunes du 5e arrondissement de se distinguer, c'est à travers ce genre d'action. Pour qu'on puisse avoir envie de vous aider, tout commence d'abord par le comportement. Un jeune qui se respecte est un jeune responsable et qui sera respecté. Mais un jeune qui ne s'assume pas, un jeune qui pense que le Njoka, c'est le lait, comme il dit, comme l'autre qui est en train de se disputer derrière vous là-bas, s'il pense que le Njoka, c'est le lait, et que c'est ça son quotidien, malheureusement, il finira sous l'art et il vieillira avant l'âge. Ici, vous avez l'exemple d'un jeune. Un jeune qui a décidé de s'assumer pleinement. Un jeune qui s'est dit que même s'il n'est pas allé longtemps à l'école, mais il s'est dit qu'il est rêveur, il est ambitieux. Il veut prendre sa vie en main. Et en voulant prendre sa vie en main, il a monté un projet. Et moi, lorsque je vois ça, je suis très sensible. Et je me suis dit, je vais l'accompagner. Il n'est pas le seul. Il y en a eu d'autres. Il y en aura encore davantage, certainement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre des initiatives. N'ayez pas peur de vous lever, de marcher, parce que l'avenir vous appartient. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont plus diplômés que vous vous êtes des imbéciles, c'est faux. Parce que chaque être humain est doté d'une intelligence, et l'intelligence que Dieu nous donne, elle est asymétrique l'une par rapport à l'autre. Donc dites-vous bien que lorsque vous êtes en situation de décrochage ou de déperdition scolaire, il y a des alternatives. Et notre super bon grand qu'on appelle Yali, parce que moi je suis peut-être le bon grand, mais on a le super bon grand. Et le super bon grand, c'est le président du Gabon. C'est le président Ali Bongo Ondimba. Parce que si lui, il ne m'avait pas fait confiance, moi qui suis jeune comme vous, s'il ne m'avait pas donné la plateforme pour être ici aujourd'hui, je n'aurais pas fait ce que je fais et je n'aurais pas pu tirer d'autres jeunes vers le haut. Lui, il m'a tiré vers le haut, il m'a dit, vas-y, je te porte, je te lance. Mais en allant devant d'autres jeunes, ce que je souhaite, c'est que tu puisses tirer vers le haut le maximum d'autres jeunes. Et c'est ce que je me suis engagé à faire et que je suis venu faire aujourd'hui ici à Mindoubé, en faisant cette dotation à notre jeune frère et en espérant que d'autres suivront l'exemple. Parce que croyez-moi, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que de sauts de gens. Être un chauffeur, être un vendeur de tomates, être un agriculteur, un commerçant, ce n'est pas dégradant. Parce que croyez-moi,
quand tu vends tes tomates sérieusement et que tu as ton pognon, même si la petite t'a refusé parce qu'elle a vu que tu vendais les tomates, lorsque tu vas acheter ta voiture, que tu seras bien habillé avec des fringues, elle ne refusera jamais de monter dedans. Si tu as le sentiment que tu as eu de la chance et que tu l'as raté, c'est que tu n'avais pas la chance. On n'a qu'une seule chance et chacun de nous doit la saisir. On a des opportunités, il faut aussi les saisir. Nous sommes jeunes et chacun de nous est une étoile. Et parce que vous êtes des étoiles, vous êtes tous nés pour briller. Et pour pouvoir briller, il faudrait que vous vous donniez les moyens de devenir des acteurs incontournables de la société, des acteurs incontournables de votre quartier et de votre propre vie. Je vois, nous, les jeunes du 5e arrondissement et les jeunes de Mikoubé, puis déjà qu'il y a beaucoup comme moi qui sont arrivés jusqu'ici aujourd'hui, pour faire part. Je vous dirai aussi la vérité, comme certains vous disent déjà derrière moi, je n'ai pas fait de longues études. Vous dites derrière moi, voilà. Comme Mayola veut. Voici un bon petit devant toi. Ce que je vais juste te faire comprendre là, c'est que je suis étonné. J'ai parlé d'un projet vibrant. Je témoigne, voilà, je ne peux que témoigner. Parce que je ne m'attendais pas à voir ça. J'ai lancé en fait il y a début de mois d'octobre avec certains de mes amis un lavage d'eau. Mais avant ça, on a commencé, on lavait chez les particuliers. Pour moi, c'est une fierté d'être jeune et d'être sous votre tutelle. Parce que pour ce que vous faites, ça rattrape encore une jeunesse perdue. Soyons vifs et regardons tous vers l'avenir en jeunesse d'avenir.